sont là pour t'adorer, pour t'exalter, pour t'aider, pour t'aider que tu es. Merci Seigneur. Amen.
Malade,
Oh yeah.
Thank you.
Ça s'appelle aussi une convocation.
convocation solennelle. C'est-à-dire, nous venons pas pour danser seulement, pas pour faire du bruit, pas pour chanter et transpirer, mais la vraie raison qui nous amène devant la présence de Dieu, c'est pour l'écouter. Je le répète, nous venons à l'église pas seulement pour danser, pas seulement pour transpirer, mais nous venons à l'église pour écouter Dieu. Et tout homme spirituel doit développer en lui la capacité d'écouter. Très important. Dans la vie, il est très important d'écouter. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils se présentent devant Dieu, ils ont l'habitude de beaucoup parler. Seigneur, tu connais, j'ai besoin, il faut faire. Seigneur, Seigneur, on parle tellement trop. Et du coup, nous n'avons pas le temps d'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Dans la Bible, il y a l'histoire des noms. L'histoire de Job. La Bible dit, Job traversait des moments difficiles, des moments très compliqués. Et pendant qu'il traversait des moments difficiles, la Bible déclare, Job était en train de murmurer. Et dans ses murmures, Job se disait, je suis dans Job chapitre 23. Vous pouvez commencer à partir de verset 9. Dans les bois. Job 33 à partir du verset 9. Job dans ses douleurs, dans ses murmures, Job se disait, moi Job, je suis pur, sans péché, je suis vraiment innocent, mais Dieu invente contre moi des reproches. Je me dis, Dieu est en train d'inventer des choses sur moi. Il dit, il va plus loin pour dire, Dieu me considère comme son ennemi. Mais il avait un ami qui s'appelait Eliou. Eliou dira à Job, tu n'as pas raison de dire ça. Tu ne peux pas dire Dieu te considère comme son ennemi. Tu ne peux pas dire Dieu est en train d'inventer des choses sur toi, Job. Eliou dira à Job, et Dieu parle dans aucune manière. Personne ne prend garde. Dieu parle la nuit par des rêves, par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'il dorme sur les lits, Job et Eliou est en train de rappeler à Job tout ce qui t'arrive. Dieu n'est pas un sourd, mais Dieu est celui qui parle aussi. Je vais aller plus loin. La Bible dit, un jour, l'Éternel était en train de reprocher à Aaron et Marie. Le Seigneur a dit à Aaron et Marie, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans des visions que je me révèle à lui. Il va plus loin pour dire, c'est par des songes que je lui parlerai. C'est là où je voulais dire à quelqu'un, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu parle. Mais malheureusement, les gens n'écoutent pas ce que Dieu est en train de parler. Dieu parle. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le taux de la distraction est trop élevé. Il y a tellement trop du bruit. Et du coup, les hommes ont du mal à écouter Dieu. Eliou rappelle à Job, Dieu parle, mais Dieu peut parler par des songes. C'est là où je voulais dire à quelqu'un, ne néglige pas les songes dans ta vie. Les songes, c'est l'un des aspects de la communication de Dieu. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens
qui peut passer de mois et de mois sans faire de rêve, de songe, et ça lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce que le taux de la distraction est tellement trop élevé dans sa vie. Quelqu'un qui reste des heures devant la télévision, en train de suivre des films remplis des insanités, quelqu'un qui reste devant la télévision, en train de se divertir, et il oublie que ces choses-là ont la capacité d'influencer son esprit. Et du coup, l'homme perd même la capacité de faire des songes. C'est-à-dire même la fréquence des rêves. Les diables ont brouillé cela. Et l'homme a perdu le sens des rêves. Il ne peut pas jouer avec les rêves. Pharaon n'a pas joué avec le rêve. Il était roi. Il était puissant. Mais le jour qu'il avait fait un rêve, il a dit ce rêve-là mérite une explication. Je ne peux pas négliger ça. Écoutez bien, mais Dieu a plusieurs façons de parler. Peut-être le moyen que Dieu utilise pour te parler, c'est par des songes. Et tu ne peux pas négliger ça. Pour dire, moi, je ne considère pas les songes. C'est pas bon. La Bible a dit dans Proverbe chapitre 13, le verset 1er, un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils sage est celui qui écoute les conseils de son père. Si Dieu est notre père et que nous sommes ses fils, nous devons être capables de l'écouter. Merci. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui n'écoutent pas Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer ce message, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. L'un des grands secrets, de plusieurs patriarches de la Bible, ce n'était pas seulement la prière, ce n'était pas seulement les montagnes, ce n'était pas seulement les sacrifices, mais l'un des grands secrets qui a donné de la réussite à plusieurs patriarches, c'était l'écoute. C'était des gens qui avaient la capacité d'écouter. Écoutez, tu peux prier, mais tu n'as pas la capacité d'écouter. Tu peux servir Dieu, mais tu n'as pas la capacité de l'écouter. La Bible va nous enseigner quelque chose ce matin. Ce matin, nous allons voir un grand leader. Un homme qui a marqué l'histoire. Je suis dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. À partir du verset 9. La lecture est tellement longue. Non, je peux commencer au verset 8. Exode chapitre 18. La Bible dit, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin. Et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël. Et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et j'ai trop dit à Moïse, béni soit l'Éternel, qui nous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. La Bible dit au verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi. Depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répond.
vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu dans ce roi. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Répondons d'abord là. Nous sommes en train de parler d'un grand leader, le premier pasteur de la Bible, Moïse. Moïse n'est pas le moindre. Un grand homme qui avait la paix, il avait l'onction, il avait l'intelligence, il avait le charisme, il avait la puissance. Moïse, l'homme qui a passé beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Moïse est l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse est celui qui a vu comment la mer rouge s'est séparée en deux. Moïse est l'homme qui avait le verbe qui pouvait convaincre Dieu. La Bible dit que quand Dieu prenait des décisions pour bénir Israël, Moïse, en qualité de bon intercesseur, il était capable de convaincre Dieu, de dire à Dieu, ce que tu veux faire, cela n'est pas bon, ne le fais pas. Et Dieu écoutait Moïse. Moïse n'était pas le moindre. Dieu voyait comment ses frères doutaient, murmuraient contre le leadership de Moïse. Et un jour, le Seigneur va rappeler Aaron et Marie, ne blaguez pas avec Moïse. La manière que je parle à Moïse, ce n'est pas la même dimension. Moïse n'est pas n'importe qui. Et la Bible dit, un jour Moïse a reçu son beau-père, Jéthro, qui est venu voir Moïse. Quand il est venu, Moïse l'a reçu. Moïse l'a servi à manger et à boire. Et le lendemain, Moïse devait aller travailler. Quand Moïse est allé travailler, son beau-père l'avait accompagné. Et quand Moïse faisait son travail, Jéthro était assis comme un observateur. Il observait Moïse. Il voyait comment Moïse travaillait. La Bible dit Moïse travaillait du matin au soir en train de recevoir le peuple. Je dois regarder Moïse. Il pose la question à Moïse. J'aime ça. Ça m'a fait tellement du bien. La Bible dit au verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il pose des questions à Moïse. Il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse a dit, je suis un appelé de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, je suis un prophète. Ce peuple vient à travers moi, Moïse, pour écouter Dieu. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Wow! Jéthro l'a écouté. Mais écoutez la réponse de Jéthro. Le beau-père de Moïse, au verset 17, Jéthro dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Jéthro s'adresse à un homme qui parle face à face avec Dieu. Un homme qui avait l'expérience avec Dieu. Oh, aide-nous. Jéthro lui dit, ce que tu fais, tu ne fais pas bien. Papa, j'ai compris une chose. Tu peux avoir la paix. Tu peux avoir un don. Tu peux avoir les ailes. Mais tu es en train de servir Dieu très mal. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Ce qui te manque, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les Français. Tu as tout. Mais ce qui te manque, c'est l'attitude d'écouter. Il y a des gens. Il a les charismes. Il a les dons. Il a la puissance. Il a l'argent. Mais à Yokakate. Et c'est comme ça. Tu peux avoir la paix. Tu peux avoir des dons. Tu n'iras pas loin. Au traîner qu'à sur place la donne. Merci papa. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Moïse n'a pas fermé l'oreille. Moïse n'a pas dit à Jéthro. Jéthro, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Mais la Bible dit, Moïse s'est tu pour écouter.
pour être capable d'écouter, avoir l'appel ne t'interdit pas d'écouter les autres. Avoir les dons ne t'interdit pas d'écouter les autres. Avoir beaucoup d'argent, avoir des talents, cela ne t'interdit pas d'écouter. Un païen l'a regardé. Il a dit, Moïse, tu fais mal. Tu penses que tu es en train de faire là? Tu seras épuisé. Même ce peuple-là sera épuisé. Combien n'écoute pas? Ils sont là à l'église. Qui se croit tout connaître? On ne peut plus lui conseiller. On ne peut plus lui reprocher. Il pense que la clé du Saint-Esprit, ça se retrouve dans sa poche. À l'église, on doit écouter lui. Toutes les bonnes idées ne peuvent sortir que de lui. Non, ça c'est de l'orgueil. Vous verrez quelqu'un qui n'aime pas écouter. Quand tu lui dis non, la note que tu es en train de jouer là, c'est pas là. Non, moi je suis un maestro, toi tu ne peux pas me dire. Il fait la modération, tu dis la manière que tu as chanté. Non, il veut toujours se justifier pour dire j'avais bien chanté. C'est toi qui n'as pas bien écouté. Un grand défaut. Mais pas ma casse. Et cela peut limiter ton parcours avec le Seigneur. Merci. Parce que tu n'écoutes pas. Écoutez, je vais te dire une vérité. Écoutez, n'écoute rien. C'est une tautologie, mais je le répète encore. Écoutez, n'écoute rien. Tu ne vas même pas payer une carte de crédit. Mais le Seigneur veut seulement que tu puisses l'écouter. Moïse est un homme puissant. Un homme qui pouvait parler face à face avec Dieu. Mais il a disposé son oreille pour écouter. Mon frère, tu peux limiter ton parcours parce que tu n'écoutes pas. Ma soeur, tu peux limiter ton don parce que tu n'écoutes pas. Un homme spirituel, c'est un homme qui écoute. Je peux aller plus loin. La Bible nous parle de David. Un homme de guerre, un homme qui a l'expérience, un homme qui a ôté l'opprobre en Israël, un homme qui a fini l'histoire avec Goliath. La Bible dit qu'un jour, Moïse, David s'est retrouvé dans la ville de Sigla. Et quand il arrive dans cette ville, il n'a pas amené sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Ces collaborateurs, ils ont amené leur famille. Et ils se sont installés dans cette ville. Et la Bible dit un jour, David est sorti avec ses collaborateurs. Les enfants, les femmes sont restés. Quelques minutes après, les Amalécites ont envahi la ville. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de sorts qui pouvaient se battre avec les Amalécites. La Bible déclare, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils les ont amenés comme prisonniers, mais ils ont tout brûlé, toute la richesse, tous les biens étaient brûlés. Et quand David et ses hommes retournèrent à la ville, ils trouvent la ville en feu. La Bible dit, David et ses hommes pleurèrent à l'Éternel. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Et après, David s'éleva. J'aime ça. Nous allons lire ça. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 30. La lecture est tellement longue, c'est du premier verset jusqu'au verset 18. La Bible dit, après avoir pleuré, David va consulter Dieu. David avait des vaillants tout autour de lui, des guerriers tout autour de lui. Mais avant de s'engager, David va d'abord écouter Dieu. La Bible dit, David va poser la question à Dieu. Poursuivrai-je cette troupe? Et l'atteindrai-je?
des questions différentes. Il dit à Dieu, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Le Seigneur lui a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Très important. Vous savez, dans la vie, quelqu'un peut poursuivre sans pour autant atteindre l'objectif, sans pour autant arriver à la finition. David n'a pas voulu s'arrêter au bout du chemin. Il a demandé à celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il a consulté celui qui connaît toutes choses. Il a demandé à Dieu, est-ce que je peux poursuivre? Pas pour s'arrêter au bout du chemin, mais pour arriver. Dieu lui rassure, poursuis, tu arriveras et tu délivreras. David s'éleva, il va aller combattre les Amalécites avec ce qu'il avait écouté, pas de son expérience, pas de sa force, mais ce que Dieu lui a dit. Amen. Merci. La Bible dit, David parle à Dieu, l'Éternel a parlé deux fois. Pardon, l'Éternel a parlé une fois, mais deux fois moi j'ai entendu. C'est-à-dire, il y a deux manières d'écouter Dieu. Nous avons les oreilles physiques et nous avons l'oreille spirituelle. Mais il y a des gens qui n'écoutent qu'avec l'oreille physique, qui n'ont pas la capacité d'écouter avec l'oreille spirituelle. Un homme spirituel est celui qui n'écoute pas seulement avec l'oreille charnelle, mais c'est celui qui écoute avec l'oreille de l'esprit. Quand le Seigneur parle, un homme spirituel, une femme spirituelle, là où il est, il écoute. Que ça, c'est Dieu qui m'interpelle. Ça, c'est Dieu qui m'avertit. Ça, c'est la parole qui vient de l'Éternel. Bien aimé, c'est que j'aime avec Dieu. Il y a des choses qu'on appelle la bouche des hommes et la bouche de Dieu. Les hommes peuvent parler, mais Dieu aussi parle. N'oubliez pas, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Nous n'allons pas écouter toutes choses, mais nous devons écouter, pas ce qui sort de la bouche des hommes, pas ce qui vient du monde, mais nous devons écouter ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Car les choses qui sortent de la bouche de l'Éternel, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'à peu près. Quand l'Éternel parle, c'est avec certitude, avec exactitude. Quand le Seigneur parle, cela va se réaliser. Pierre avait l'expérience. Il a cherché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais quand la parole est sortie, Pierre a dit, je ne jetterai pas sur mon expérience. Je ne jetterai pas sur ma force. Mais je jetterai sur la parole. Bien, mais tu dois être capable d'écouter ce que Dieu te parle. Merci. Moïse, un homme d'expérience, mais il n'a pas fermé son oreille pour écouter Dieu. Tu sais pourquoi tu échoues dans le ministère? Tu sais pourquoi ta vie est déséquilibrée? C'est parce que tu n'écoutes pas les gens. Là, tu dois connaître tout. Tu dois être le plus intelligent. Tu dois, tout le monde va fixer les regards. Qu'est-ce que tu dois? Tu te trompes. Tu te trompes. Lisez la vie de tous les patriarches. Les secrets de réussite. Ce n'était pas seulement les montagnes. Ce n'était pas seulement les jeunes. Ce n'était pas seulement l'argent. Mais ils avaient la capacité de s'asseoir et d'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous savez cette attitude? Plusieurs n'en ont pas. Plusieurs chrétiens n'ont pas cette attitude. Vous savez, même la plupart des retraites, c'est rare de voir les gens faire une retraite pour écouter seulement Dieu. Vous savez, le christianisme d'aujourd'hui, bien aimé, ça nous étonne. Où vous verrez des gens qui viennent et pensent qu'ils peuvent convaincre Dieu par des paroles. Comment tu peux convaincre celui qui s'appelle la parole? Lui, il est la parole. Quelle parole qui peut sortir de ta bouche qui peut lui convaincre?
de développer l'attitude et d'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu a plusieurs manières de parler. Un homme spirituel, un homme sensible, c'est-à-dire même dans la rue, Dieu peut te parler à travers un signe, à travers un événement. Dieu parle, mais parce que tu es insensible, tu es tellement charnel, tu as du mal à comprendre. Et ça, c'est le langage de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimé, à être capable d'écouter. Si Moïse n'a pas fermé l'oreille, pourquoi tu as le niveau de Moïse? Comment toi tu as le niveau de Moïse? Moïse est un grand leader. Il a disposé son oreille pour écouter. Après avoir écouté, la Bible dit Moïse a eu un leadership stable. Vous savez que Moïse avait des problèmes avec sa femme. De temps en temps, Moïse avec sa femme, ça ne marchait pas. De temps en temps, il y avait des contradictions. Parce que Moïse restait dans le travail du matin au soir. Il n'avait pas le temps pour sa femme. Il n'avait pas le temps pour ses enfants. Et quand Jéthro est venu, il a remarqué la cause des disputes. Moïse, trop spirituel. Il fallait que quelqu'un lui dise: papa, tu es tellement trop spirituel. Écoutez, toi, tu n'es pas Dieu. Tu es humain. Regarde, ça marche comme ça. Tu réussiras dans ta vie. Le jour où tu vas disposer ton oreille. Vous savez, il y a certaines personnes, à cause de ton attitude que tu présentes, il y a des gens qui se méfient. Même s'ils ont des choses à te dire, ne le disent plus. Il y a eu qu'à battre. Il y a eu là le lendo. Il y a eu battre au tikaé. Et ça, c'est un défaut. Et c'est comme ça que beaucoup de ministères ne grandissent pas. Beaucoup de talents ne s'ouvrent pas. Les gens croient tout connaître. Et surtout quand on l'appelle déjà maître, c'est fini pour lui. Il n'y a plus rien à lui apprendre. Il est restera. Tu es limité par les temps. Tu es limité dans l'espace. Tu ne t'appelles pas omniscient. Tu as besoin d'écouter celui qui a existé avant l'existence de toutes choses. Tu dois écouter celui qui connaît le monde plus que toi. Tu dois écouter celui qui ne se contredit jamais dans ses paroles. Lorsqu'il a dit à Moïse: quand vous sortez de l'Égypte, les chemins que vous allez prendre, c'est le chemin du désert. Parce que ce n'est que dans le chemin du désert où vous aurez la sécurité. Les jours comme la nuit, faire le contraire de ce que Dieu a dit, c'est vivre dans l'insécurité totale. Nous échouons. Nous tous nous échouons. Parce que nous ne voulons pas écouter. Nous méprisons trop les gens. Qu'est-ce qu'il lui peut m'apprendre? D'ailleurs, il n'a même pas fait les études. Qu'est-ce que je peux apprendre avec lui? Il connaît quoi? Il sait rien. Il s'explique mal. Qu'est-ce que je peux apprendre avec lui? Attention, même Jésus, un jour, il acceptait de s'asseoir et demander à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a disposé son oreille pour écouter qu'est-ce que les gens disent de lui. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'ai apporté la bonne nouvelle. L'habitude que tu dois développer dans ta vie, c'est l'habitude d'écouter. Tu dois écouter. Car celui qui écoute, il devient sage. Celui qui écoute, il devient prudent. Celui qui écoute, il réussit dans la vie. Mais nous échouons parce que ton yoka kate. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur les apparences. Il y a beaucoup de gens qui se trompent sur la réalité. La réalité n'est pas une vérité. Tu dois te rassurer de ce que l'Éternel a dit à l'homme de ta vie. Je m'arrête là pour te donner un dernier conseil. Fais un effort dans ta vie. Écoutez. Merci.
Il y a des moments où tu peux dire je suis en retraite. Pas pour aller crier c'est mal. Ah, jamais, jamais, jamais. Non. Il y a des fois tu peux te retirer. Pour chercher à écouter Dieu. Ne crois pas que tes français que tu prononces là, ça va convaincre Dieu, ou ça va intimider Dieu. Jamais, Yaya. Ne crois pas que ton argent là, ça va intimider Dieu. Ne crois pas même que les responsabilités que tu cherches à l'église, que ça va intimider Dieu. Non! Moi je préfère, avant même de s'engager dans une responsabilité à l'église, il serait bien d'écouter Dieu te parler. Il serait bien que le Seigneur te dise, désormais, dans ma maison, je veux que tu fasses un travail. Regarde comment tu vas le faire. Mais nous avons trop de sentiments dans les églises. Les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit. Mais les gens veulent imiter ce qu'ils voient sur des Facebook. C'est comme si Dieu est devenu limité. C'est comme si le Saint-Esprit n'agit plus. C'est comme si le Saint-Esprit ne peut plus inspirer. Les gens commencent à imiter les choses qu'ils voient sur des Facebook. Oh, Dieu vit telle image dans telle église. Nous aussi, on doit le faire. C'est un signe de la faiblesse. Quand on est aveugle, c'est comme ça qu'on t'attend. Mais quand on voit, on ne t'attend pas. Faites un effort dans ta vie. Écoutez. Les conseils te bénira. Jéthro a dit à Moïse, assis-toi. Écoute-moi. J'ai un conseil à te donner. Bien-aimé, nous avons un grand consolateur. Nous avons un grand conseiller. Il s'appelle le Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, la Bible dit qu'il s'appelle aussi l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de conseil. Tu as besoin de lui avant de s'engager, avant de faire quelque chose, même si c'est l'œuvre de Dieu, avant de le faire. Écoute Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Même pour venir prêcher, il faut écouter. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie, ce n'est pas parce que tu as mémorisé des versets de la Bible que c'est la Bible. Tu vas te placer devant les gens, commence à faire du bruit. Il y a des paroles qui n'ont pas de vie. Tu as parlé, mais ça n'a pas de vie. La parole qui donne la vie, c'est que la parole qui vient de l'Éternel. Le Seigneur Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un, appuie-toi sur des choses qui sortent de la bouche de l'Éternel. Al persévérer. Al persévérer. Parce qu'elle s'appuyait sur des paroles sorties de la bouche de l'Éternel. L'Éternel avait dit, il n'y aura jamais des femmes stériles en Israël. Et quand Anne restait au temple, Anne rappelait à Dieu, ta bouche avait dit, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. À tout vieux, cette stérilité. Regarde ta vie, ma soeur. Faites un effort d'écouter. Même le président de la République, il a des conseillers. Il les écoute. Même les ministres, les grands patrons du monde, ils ont des conseillers pour les écouter. Nous allons incliner nos têtes. Regarde ta vie ce matin. Tu as les talents. Tu as les dons, tu as l'intelligence, peut-être même tu as l'appel, mais ce qui te manque, c'est l'écoute. Tu n'as pas cette attitude-là. Toi tu n'écoutes pas, toi tu crois que tu es suffisant. Toi tu vas dans ce monde-là, toi tu n'as pas besoin des gens, c'est les gens qui auront besoin de toi. Non, tu te trompes bien aimé. Même Dieu, quand il est descendu sur la terre, il a cherché des hommes, il avait besoin des hommes. Ce matin, tu vas incliner ta tête. Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il dépose en toi l'attitude de l'écoute. Pendant que notre frère va nous chanter un cantique,
Tu vas prier dans ta maison pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette attitude. D'écouter. Un homme spirituel, c'est un homme qui écoute Dieu. Comment tu peux servir celui que tu n'écoutes pas? Alors ce que tu dis aux gens, tu les ramasses où? Tu dois l'écouter. C'est lui qui doit te parler. C'est lui qui doit t'enseigner. C'est lui qui doit te dire, lève-toi pour aller dire ça. Lève-toi, bien-aimé. Commence à prier. Prochain. Donc, au moins, on a un peu de temps pour y aller.
la mafia.